Bonjour à toutes et à tous, membres des médias, candidats, candidates et partenaires de Culture Outaouais. Merci d'être avec nous aujourd'hui à cette conférence de presse qui vise à présenter les enjeux culturels et de présenter nos actions dans le cadre de la campagne électorale provinciale. Je me présente Louis-Antoine Blanchette, co-président de Culture Outaouais, et je serai votre animateur aujourd'hui. Simplement mentionner que la conférence de presse prendra fin après la dernière conférence, le dernier discours, et que la prise de parole des élus ne sera pas télévisée, donc les micros seront fermés pour la prise de parole des élus. Sans plus tarder, j'invite ma collègue, coprésidente de Culture Outaouais, Marie-Hélène Leblanc, à prendre la parole pour vous faire part de l'état de la situation du secteur culturel à l'échelle du territoire. Merci. Bonjour. Je remercie Madame Muriel Laberge et Madame Julie Bérubé, ainsi que Monsieur Benoît Lauzon et Monsieur Jean-Marc Blais, d'avoir accepté l'invitation de Culture Outaouais à souligner l'importance de la culture dans le cadre des élections provinciales 2022. Aux candidates et aux candidats, aux élus, aux membres de Culture Outaouais et aux membres des médias, je vous remercie également au nom du Conseil d'administration de Culture Outaouais pour votre présence aujourd'hui. Culture Outaouais est une organisation au cœur du développement culturel de l'Outaouais qui regroupe 215 membres, organismes, artistes, travailleuses et travailleurs culturels. Depuis 45 ans, Culture Outaouais informe et conseille les acteurs clés du développement régional en matière d'art et de culture. Culture Outaouais reconnaît la pratique artistique professionnelle et souligne l'importance de la culture dans le développement régional. Culture Outaouais s'interroge sur les actions et les priorités à mener pour contrer le sous-financement en matière de culture dans la région. L'Outaouais est une région en plein essor où les activités culturelles foisonnent. Plusieurs organismes et événements culturels se manifestent autant en milieu rural qu'en milieu urbain, contribuant à forger notre identité et notre fierté sur un immense territoire. Malheureusement, les infrastructures culturelles sont à la fois vieillissantes, voire manquantes, en raison notamment de l'augmentation démographique, particulièrement dans la ville de Gatineau. Un investissement substantiel dans les équipements et les organisations culturelles de l'Outaouais, minimalement pour un rattrapage et idéalement dans une visée d'innovation, nous semble indispensable. En 2019-2020, l'Outaouais recevait du gouvernement provincial un montant de 52,03 $ par habitant, alors que la moyenne des dépenses dans les régions comparables était de 78,97 $ par habitant. Dans la même année, les dépenses moyennes par habitant au Québec dans des régions comparables à l'Outaouais étaient de 9 fois plus élevées en ce qui concerne les arts de la scène, de 7 fois plus élevées en cinéma, 4 fois plus élevées pour les livres et les périodiques, 2,5 fois plus élevées pour le patrimoine, les institutions muséales et les archives, et 1,8 fois plus élevé pour les bibliothèques. Du côté du soutien financier aux artistes et aux organismes culturels, en 2018-2019, le ratio d'artistes et d'organismes de l'Outaouais ayant reçu de l'aide financière de la SODEC et du CALC par tranche de 100 000 habitants était de 15,8 %, alors que la moyenne des régions comparables était de 27,1 %. Le nombre d'artistes et d'organismes obtenant de l'aide était donc, en moyenne, 1,7 fois plus élevé que les régions comparables de l'Outaouais. La même année, l'ensemble du soutien financier octroyé par la SODEC et le CALC à des artistes et des organismes représentait 3,16 $ par habitant en Outaouais, alors que ce montant s'élevait en moyenne à 10,19 $ par habitant dans les régions comparables. Ainsi, en 2019-2020, le gouvernement du Québec aurait dû investir 26,94 $ de plus par habitant pour la culture en Outaouais pour atteindre la moyenne des dépenses faites dans des régions comparables. Pour le milieu de la culture, cela représente un manque à gagner d'environ 11,3 millions par année. Depuis, il y a eu une pandémie mondiale qui a contribué à la précarisation du milieu culturel, déjà trop peu soutenu au niveau financier et sur le plan des infrastructures. Culture Outaouais a été témoin des effets collatéraux de la pandémie sur le milieu culturel, qui a mis au jour des fragilités déjà existantes dans ce milieu, toute échelle confondue. La pratique artistique professionnelle en Outaouais est très peu soutenue par l'administration publique. L'accès aux programmes réguliers du MCC, du CALC et de la SODEC demeure difficile pour les organismes artistiques et culturels, ainsi que pour les entreprises du secteur, malgré l'excellence de ceux-ci.
Force est de constater que l'écart continue de s'agrandir et fragilise notre secteur d'activité, ainsi que la main-d'œuvre spécialisée. La pandémie n'a fait qu'accélérer une situation qui prévalait déjà en Outaouais et de surcroît en culture. En 2019, une motion de l'Assemblée nationale du Québec reconnaissait le retard important en Outaouais depuis les dernières années par rapport aux autres régions du Québec, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture. En culture précisément, ce retard a généré des conséquences importantes sur le développement des infrastructures qui dépendent entre autres du financement provincial, ainsi que sur le potentiel économique de la culture, que la culture peut générer dans la région. Cet écart se constate particulièrement en ce qui concerne les organismes soutenus au fonctionnement. Culture Outaouais considère donc essentiel que les enjeux culturels soient au cœur des engagements et des discussions dans la campagne électorale provinciale 2022. Nous invitons les candidates et les candidats à prendre des engagements clairs et chiffrés pour la culture en Outaouais et nous sollicitons les organismes, les artistes, les travailleuses et les travailleurs culturels, membres de Culture Outaouais, à en faire autant. Nous invitons aussi la population de l'Outaouais pour qui la culture est une priorité à questionner leurs candidates et leurs candidats sur leurs engagements en culture. Finalement, nous demandons aux médias de tenir la population informée sur les enjeux et les engagements en culture durant la campagne électorale provinciale qui vient tout juste d'être lancée. Merci. Merci, Marie-Hélène. J'invite maintenant M. Benoît Lauzon, maire de Tursault, préfet de la MRC de Papineau, président de la Conférence des préfets de l'Outaouais et président de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à l'Union des municipalités du Québec, à prendre la parole. Merci beaucoup. Bon matin à tous. J'aimerais prendre un petit moment pour saluer toutes les personnes présentes qui font de la culture une fierté de notre région, puis spécialement mon amie Julie, qui travaille énormément fort depuis plusieurs années. Je salue également les candidates et candidats des différents partis qui sont aussi présents. Et je suis d'avis que vous êtes tous conscients que la culture constitue une composante essentielle de la qualité de vie. Porteuse de sens et d'identité, vecteur de cohésion sociale, la culture est une clé pour comprendre le monde et pour le vivre ensemble. La culture précède et influence toute action de développement et représente un élément structurant de l'aménagement du développement du territoire. Souvenons-nous de la journée du 30 octobre 2019. L'Assemblée nationale du Québec a reconnu que l'Outaouais a accumulé un retard important ces dernières années quant au financement public en santé, éducation, enseignement supérieur et en culture. La motion déposée par le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a été adoptée de façon unanime. Oui, les élus provinciaux ont reconnu que ce retard a eu son lot de conséquences sur le développement économique de la région et sur sa capacité à se doter d'institutions dans plusieurs champs de compétences du Québec. Il s'agissait d'une occasion historique de changer profondément la relation entre l'Outaouais et le gouvernement du Québec, pour que nous passions d'une région qui se sent négligée et oubliée à une région qui se sent respectée et fière de contribuer à l'essor québécois. Mais, trois budgets gouvernement provincial plus tard, les acteurs du milieu culturel de l'Outaouais sont toujours en attente de résultats concrets suivant l'adoption de cette motion. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que nos candidats et candidates s'engagent à faire pour que l'Outaouais obtienne sa juste part de reconnaissance et de financement public dans le secteur culturel. Car rappelons que l'Outaouais a son identité propre avec un tissu social fort à majorité francophone, une communauté anglophone dynamique et une communauté autochtone en croissance.
L'Outaouais s'est aussi développé à partir d'une migration en provenance des autres régions du Québec, ce qui ajoute à la richesse de notre identité et de notre culture. Nos organisations culturelles, nos artistes, notre population méritent que le financement du gouvernement du Québec en culture soit au moins équivalent à celui qui est consenti aux autres régions intermédiaires du Québec. La culture est au centre de la vie citoyenne et contribue activement à l'épanouissement des communautés et des individus. Tous les citoyens de l'Outaouais devraient avoir accès à des infrastructures et des services culturels de qualité. Le talent, la créativité et les projets foisonnent dans la région. Les municipalités et les instances régionales font leur part en matière de soutien à la vitalité culturelle. Je vous donne un exemple. Chez nous, la MRC Papineau s'est dotée d'un centre culturel qui aura bientôt 15 ans d'existence. Ses expositions en art visuel, ses activités de médiation culturelle et le formidable circuit d'art public qu'il a développé en partenariat avec les municipalités locales n'ont rien à envier aux autres institutions muséales du même type que propose ailleurs au Québec. La richesse de la trame événementielle, culturelle, oui, de Papineau, mais de l'ensemble de l'Outaouais, est aussi à souligner. Des festivals musicaux, des événements thématiques de petite, moyenne et grande envergure sont proposés chaque année. Ces événements ne pourraient avoir lieu sans l'engagement des promoteurs dans leur milieu, ni sans l'apport significatif des bénévoles. Ils contribuent à la notoriété de la région et à son attractivité. Les arts et la culture contribuent de multiples manières au développement des régions du Québec. Par l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, la diversification de l'économie, l'épanouissement de la jeunesse est facteur de croissance et d'innovation par la créativité et l'expression de l'identité. Le secteur culturel représente 2,2 % du PIB régional et génère plus de 4 % des emplois de la région. Pour se déployer, se consolider, rayonner et surtout survivre, notre secteur culturel a besoin de mesures publiques adaptées aux réalités régionales et aux besoins qui sont documentés. Merci. Merci, M. Lauzon, pour votre présence. J'invite maintenant Mme Muriel Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, à venir prendre la parole. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Julie Martineau et Culture Outaouais pour cette opportunité de me joindre aux personnes qui prennent la parole ce matin pour mettre en évidence les enjeux et les défis du milieu de la culture en Outaouais et nous assurer qu'ils fassent partie des priorités de la campagne électorale qui s'amorce. À titre de rectrice d'une université ancrée dans le développement régional, je considère, tout comme M. Lauzon et les autres partenaires présents aujourd'hui, que la vie culturelle joue un rôle clé dans la vitalité de notre région, puisqu'elle est porteuse de sens et d'enracinement. La culture, tout comme l'éducation supérieure d'ailleurs, est un secteur durement touché par le sous-financement historique du gouvernement du Québec. Fait particulier qui lie nos deux secteurs, et je cite ici une section de l'excellent rapport produit en 2022 par notre Observatoire du développement de l'Outaouais, l'Outaouais en mode rattrapage. Une bonne partie du retard de financement en culture en Outaouais peut s'expliquer par le peu de financement du gouvernement dans les bibliothèques collégiales et universitaires
Notons à ce sujet que les budgets, des bibliothèques collégiales et universitaires sont directement liés au nombre de programmes offerts par les établissements d'enseignement. Par conséquent, le manque à gagner de l'Outaouais en culture est en partie attribuable au retard de la région en éducation postsecondaire. Ainsi, en 2019-2020, le manque à gagner en financement pour les bibliothèques collégiales et universitaires de l'Outaouais représente à lui seul 46,7% du retard de la région en termes de dépenses par habitant en culture. La culture et l'éducation sont étroitement liées et interdépendantes. La culture participe au développement de l'élève par l'apprentissage d'habiletés et de compétences diverses, contribue à la réduction du décrochage scolaire, sensibilise à la beauté de notre langue commune, le français, et favorise son appropriation. Ce faisant, la culture joue un rôle clé dans la formation du citoyen, citoyenne et dans son intégration à la société. Déjà partenaire actif et incontournable du milieu culturel en Outaouais, notamment par l'entremise des activités de la Galerie UCO, de notre École multidisciplinaire de l'image, ainsi que du rayonnement des travaux de recherche et création de notre corps professoral, de nos étudiantes et étudiants, l'UCO est résolu à intensifier sa participation et sa contribution au développement culturel en Outaouais. Nous travaillons, entre autres, à l'élaboration d'un projet « Passeur culturel » en collaboration avec divers acteurs du milieu culturel de l'Outaouais, pour lequel nous souhaiterions obtenir un appui financier du gouvernement du Québec pour en assurer la mise en œuvre. Initialement implanté en 2017 à l'Université de Sherbrooke, le projet « Passeur culturel » offre un accès gratuit ou à faible coût à de nombreuses activités culturelles, ainsi que des activités de médiation culturelle aux étudiantes et étudiants en enseignement qui aspirent à la profession enseignante. Ce projet a de nombreux impacts positifs en aidant ces futurs enseignants et enseignantes à devenir eux-mêmes des consommateurs et consommatrices de culture, investis et en les formant à insuffler cette curiosité à leurs futurs élèves. La participation financière du gouvernement du Québec à un tel projet en Outaouais serait certainement un pas dans la bonne direction pour aider à rattraper le retard de financement culture et contribuer au renforcement des programmes et des infrastructures culturelles destinées à la population de l'Outaouais. Merci. Merci beaucoup, Mme Laberge, pour votre présence. J'invite maintenant M. Jean-Marc Blais, historien et président du Musée régional de l'Outaouais, à prendre la parole. Merci, Louis-Antoine. Bonjour, mesdames et messieurs. J'aimerais commencer en citant deux petites lignes qui viennent de ce gros bouquin que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle « L'histoire de l'Outaouais ». Alors, c'est quand même une publication qui a été faite en 1994, si je me rappelle bien, et qui commence comme ça. Alors, l'Outaouais, une région entre deux mondes, une région de frontières complexes, équivoques, fragiles, fortes, une région aux multiples identités, une région à découvrir. En un sens, l'histoire de l'Outaouais est très ambitieuse. Ça, c'est le début de ce livre, mais c'est, je vais commencer avec ces paroles-là parce que ça termine avec le mot « ambition ». Et je crois que c'est vraiment le cœur de ce que je veux mettre de l'avant, c'est-à-dire que la préservation et la mise en valeur du patrimoine exigent de l'ambition pour que ça demeure une priorité pour le gouvernement du Québec. Car c'est comme ça qu'on va faire profiter de notre héritage commun et de le transmettre aux générations futures. La préservation du patrimoine, c'est un élément fondamental des questions de culture. On vient d'en entendre de nos deux autres conférenciers. Et souvent, le patrimoine est mis un peu de côté. Pourtant, il contribue au développement touristique,
à l'économie locale et il s'inscrit également dans des perspectives de développement durable. Il est pourtant nécessaire de soutenir la préservation de notre patrimoine local et régional et surtout pour en assurer sa pérennité. Quand on parle de l'Outaouais, souvent dans le domaine du patrimoine, et je suis bien placé pour en parler, on pense souvent que le Musée canadien de l'histoire est celui qui prend toute la place et qui donc couvre tout ce volet-là. Et pourtant, non. J'ai été moi-même le directeur général du Musée de l'Histoire, donc je peux très bien en parler. Le musée de l'Histoire est un musée national, donc couvre l'histoire nationale du Canada. Et donc fait très peu de place à l'histoire locale, puisque ça ne fait pas partie de son mandat. Alors, qui a le mandat de parler de notre patrimoine, de l'histoire locale? Bien, ce sont des organismes qui sont répartis un peu à travers le territoire et qui le font à leur manière dans différentes parties de l'Outaouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Cet écosystème renferme des musées, des bâtiments historiques, des centres d'interprétation. Et ils offrent des expositions, des activités éducatives pour des adultes, des enfants, des activités de médiation, de vulgarisation. Mais il manque beaucoup d'équipements et d'infrastructures, puisque tout ça, c'est financé souvent par des petits budgets à gauche et à droite. Et malgré tous ces efforts qui sont faits, qui sont vraiment incroyables, il n'y a aucun lieu où on peut vraiment comprendre cette histoire de l'Outaouais. Quelqu'un qui vient dans l'Outaouais et qui veut vraiment avoir une vision globale sur ce que représente l'histoire de notre grande région, ben, il va devoir se retourner vers Internet, à devoir lire ce gros bouquin. Et je suis pas convaincu que la plupart des gens ne le feront pas. Ça prend juste des gens un peu comme moi qui vont faire ce genre de choses. Alors, il y a une nécessité d'aller plus loin et je crois que comme région, on est rendu mature pour pouvoir le faire. Alors, pour donner d'autres statistiques, pour suivre celle de Marie-Hélène, en 2019, l'Outaouais avait un ratio de 2,8 institutions muséales par 100 000 habitants, alors que ce même ratio, pour des régions comparables, était de 6,8 ailleurs au Québec. Alors, vous voyez la différence. En ce sens, en se basant sur ces données, et là, moi, je ne suis pas très mathématicien, là, mais si je fais des moyennes de 3, on serait donc dans un déficit de 16 institutions muséales dans l'Outaouais qui nous manqueraient pour être au même niveau que ce qu'on retrouverait ailleurs au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans les dernières années, le réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais, qu'on appelle familièrement le RPGO, a travaillé très fort comme incubateur pour pouvoir pousser l'idée de créer un musée régional à la hauteur des ambitions de l'Outaouais. Alors, ce projet a évolué à travers beaucoup de consultations, etc. Dans les derniers mois, un premier conseil d'administration pour le musée régional a été créé. J'en suis humblement le premier président de ce conseil d'administration. Et qu'est-ce que ça va être, ce musée régional? Bien, c'est un musée qui, en espérant obtenir l'aide du gouvernement, évidemment, pour le développer, servira de maison commune pour tous les organismes du patrimoine de l'Outaouais. Parce que souvent, les organismes du patrimoine de l'Outaouais sont des organismes qui sont gérés par des valeureux bénévoles, etc., etc. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'appui professionnel, etc. Et donc, le musée régional aurait comme mandat de pouvoir agir comme maison commune pour pouvoir aider à ce niveau-là, donc dans un rôle de rassembleur. Le musée mettrait également en valeur toute la richesse et la diversité du patrimoine de l'Outaouais et donc, à ce compte-là, aurait son rôle de médiateur. Donc, c'est un musée de territoire. C'est un musée d'histoire, mais avec un H majuscule. On n'est pas dans la définition de choses trop précises. L'Outaouais a eu un rôle majeur dans le développement du Québec et dans le développement du Canada. Et donc, il faut que le musée reflète cette réalité. Donc, ce musée reflétera donc les différentes facettes de notre histoire et les particularités de notre région. Ce sera un projet ambitieux comme l'est l'histoire de l'Outaouais. Et puis, nous espérons que le prochain gouvernement pourra nous permettre d'aller de l'avant,
puisque nous sommes prêts à y aller. Et puis, espérons qu'à la fin de la prochaine législature, que ce projet de musée régional, s'il n'est pas encore ouvert au public, le sera sous peu par la suite, compte tenu du temps que ça prend pour pouvoir faire ce genre d'institution. Alors, je vous remercie de votre temps. Merci, M. Blais. Enfin, j'invite Mme Julie Bérubé, professeure et chercheuse à l'Université du Québec en Outaouais, à venir prendre la parole. Bonjour. Donc, merci à Culture Outaouais d'avoir organisé cet événement. Merci aussi à l'ensemble des candidats et des candidates qui se sont joints à nous aujourd'hui. Donc, je suis professeure à l'UQO et je suis chercheuse, et mes projets de recherche portent dans les milieux culturels, spécifiquement, évidemment, en Outaouais, étant native de l'Outaouais et étant professeure à l'UQO. La région de l'Outaouais, le développement des arts et de la culture dans la région me tiennent évidemment à cœur. Donc, j'ai eu la chance dans les deux dernières années de mener un projet de recherche qui portait évidemment sur la pandémie et les milieux culturels en Outaouais. Donc, on a rencontré des artistes et des organismes culturels afin de comprendre un peu leur réalité, ce qu'ils vivaient, etc. Je n'aurai malheureusement pas le temps de vous présenter l'ensemble des résultats de l'étude aujourd'hui, mais j'aimerais soulever trois éléments marquants de cette recherche. Alors, premièrement, bien évidemment, il y a eu une baisse de revenus importante pour l'ensemble des acteurs des milieux culturels due aux quelques fermetures qu'il y a eu dans les deux dernières années dues au report, etc. Là, on voit depuis quelques mois, il y a une certaine reprise qui prend son envol. Par contre, cette reprise-là se fait dans un contexte économique qui est différent à la période avant la pandémie. Donc, évidemment, on le sait, le coût de la vie augmente, l'inflation est à la hausse. Donc, cette situation économique-là, couplée avec la baisse de revenus importante qu'il y a eu, rend la poursuite des activités dans les milieux culturels un peu plus difficile. Et évidemment, ça a été mentionné par mes collègues, tout ça dans un contexte de sous-financement historique du milieu de la culture en Outaouais. Ensuite, le deuxième élément qui est ressorti comme majeur de cette étude-là, c'est la pénurie de main-d'œuvre créative et artistique. C'est une situation qui est vécue partout, mais c'est particulièrement criant en Outaouais. Donc, pendant la pandémie, il y a eu un exode de cette main-d'œuvre créative et artistique qui était déjà un peu fragile en Outaouais vers Montréal, où l'activité culturelle a été en mesure de se maintenir un petit peu plus activement qu'en Outaouais. Donc, face à ça, l'Outaouais se retrouve encore une fois fragilisé dans un contexte difficile où, une fois que les individus, les artistes, les travailleurs culturels quittent vers Montréal, c'est très difficile de les ramener en Outaouais. Donc, il faut mettre en place des structures, il faut mettre en place des incitatifs pour attirer cette main-d'œuvre artistique-là et la garder également en Outaouais. Donc, on parle d'attraction et de rétention de main-d'œuvre artistique et culturelle en Outaouais. Donc, je pense que ça va être important dans les prochaines années de réfléchir aux programmes qu'on peut mettre en place, aux différents incitatifs qui pourraient être implantés pour notre région. Finalement, le dernier élément qui a ressorti, et ça date de plusieurs années, c'est par rapport aux lieux et aux espaces de création. Donc, il y a un manque de lieux de création, et ça, c'est pour tous les secteurs des milieux culturels. Donc, autant que ce soit pour des ateliers pour les artistes en arts visuels, pour les gens qui sont dans le secteur de la danse, du théâtre, de la musique, de la radio numérique, etc., c'est criant, il manque d'espaces de lieux de création pour pouvoir faire des pratiques, ainsi de suite. Donc, si on veut avoir une industrie qui demeure dynamique et vivante, il faut trouver les moyens d'accueillir ces gens-là, de les attirer et de les soutenir et de leur offrir des espaces pour pouvoir créer. Donc moi, personnellement, la culture en Outaouais, j'y crois fermement et j'espère que l'ensemble des candidats et des candidates qui sont ici aujourd'hui y croient également aussi fermement. Merci. Merci beaucoup, Mme Bérubé, pour votre présence. C'est maintenant que se termine la portion diffusée de la conférence de presse. Toutefois, ce n'est pas la fin de notre matinée. Donc, tous les candidates ont reçu une invitation à prendre la parole et à présenter les priorités et les engagements de leur parti en matière de culture. La parole est maintenant à ceux et celles qui sont...